Bonjour. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais en prendre trois au hasard dans la caisse. Je vais les encoder dans ma base et on va les tester. Donc, commençons. La caisse. Petit au hasard. Je ne triche pas. Ça sera fighter pilote de Ramsad. Pas généralement le jeu, le genre de jeu que j'aime bien. Mais on va voir ce que ça donne. Alors ma base se trouve. Mon curseur, il est là. Rétroana.com. Rétroama, c'est un site que j'ai créé et qui me permet de référencer toutes mes collections, tous mes cassettes Amstrad principalement et quelques Commodore et ZX pour l'instant. Donc, si je recherche Fighter Pilote, je vois toutes les versions qui existent pour Fighter Pilote. Je prends toutes les releases et je cherche la mienne. Donc, pour rappel, la mienne c'était celle-ci qui semble donc être de Digital Intégration. Celle-ci, voilà. Donc, ce que je fais, je l'arrange dans ma collection. Je vais sur CPC Power, je trouve le jeu, je télécharge la version disque, on va prendre la version craquée, version française, pam pam, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le petit code qui fait toujours plaisir, voilà. Il se trouve bien sur mon disque. Je l'envoie sur mon Mister. Oui, je n'ai pas commencé par le Mister. Donc en fait, je n'ai pas envie de tester sur le vrai Amstrad, ça c'est un peu compliqué. Et je n'ai pas de prise convertisseur Peritel vers HDMI. Donc on va jouer sur Mister. Le Mister, c'est un FPGA. Donc le FPGA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un émulateur hardware, donc ça simule directement le processeur, les processeurs de l'Amstrad. Et pas que, parce que Mister FPGA sur GitHub, on a tous les corps qui supportent, donc ça fait vraiment un paquet qui l'émule, entre guillemets, beaucoup mieux qu'un vrai émulateur. Donc, c'est basé sur une carte FPGA pour les étudiants au départ. Donc, beaucoup moins cher que juste le processeur FPGA. Et des gens, donc Sorgelick, je ne me trompe pas, a sorti plein de circuits open source autour de cette carte pour permettre, je ne sais pas, ici par exemple, rajouter de la RAM, rajouter des ports I/O. Pour mettre un autre cassette par exemple, ce que je ne ferai pas non plus, mais bon, je vais avec des disques, on n'a pas le temps. Et voilà, donc j'ai mon Mister, il est là, j'ai copié pas encore, presque copie tout Mister pilote. Fighter, copie tout Mister Fighter, et on passe sur le Mister. Tac tac, il est ici. Petit cas d'usage. Et on va tester ce jeu que je ne connais pas.
La même vitesse que le disque avant. Donc. Déjà bonne nouvelle, toujours en français. Oui. Donc, pratique là. C'est de la bonne traduction, ça en plus. Donc, on va tester. Il se joue. Ce qui est bien, c'est que j'ai la cassette. Tu devrais avoir le mode d'emploi. Alors. Et c'est bon, la version française. Tout est en français. J'ai mouru. Français, on démarre. Qui pourra accélérer? On va dire en l'air en fait. Ça va être vite fait. On m'embête déjà. Français. Qu'est-ce qu'ils en disaient sur ce PC Power? Non, comment. Oh. En voyant que je l'ai mis en français, moi, ouais. Que j'ai l'air en français, la pochette est postée anglaise, donc. Dans le prochain jeu en version française. Non. Je vais le mettre de côté et j'enverrai ça à Bruno Kukulcan pour qu'il puisse le mettre dans la base aussi. Je te note. Le site Retroana est gratuit, donc à ceux qui veulent s'inscrire, faites-vous plaisir. Plus il y a de monde, plus la base sera complète. Bon, next. Attention, on va dîner. Mini office. Traitement de texte, on va peut-être éviter, ce sera pas trop amusant. Tyrannog. Tyrannog. Ce reste breton. On recommence.
tir analogue. Non. Tir. Sur Amstrad, tir analogue. La version Rebound cassette, il y en a deux. Pourquoi? Bon, ça me semble exactement le même. Ok. J'en efface une des deux. Là, il n'y a que moi qui peux le faire parce que j'ai fait admin. Et je mets l'autre dans ma collection. Donc, toute collection. On retourne sur ce PC-là. On va lire les commentaires avant. Il n'y en a pas. J'ai une action, c'est déjà pas mal. Pourquoi pas, tac. Apparemment, il n'y a même jamais eu de version disquette, vu que Bruno l'a mis que la version crack. Ok. Il y en a log disk copy log. On repasse sur l'Amstrad. Bonjour oncle. Est-ce que je vais arriver à te faire découvrir des nouveaux jeux? Reset. J'étais trop vite. Okay. Tire un ange. Yes. Non, pas tricher. Non plus. Une petite production CNG Soft. Bon. Allons-y. Il y a même le plan. Bien, ça a l'air sympa. On sonne. Gogo. C'est bizarre qu'ils ne sont pas le plan dans ce PC Power. Je suis sur Mister. Donc là, je suis donc. Attends, j'étais sur ma page ici. Voilà. Le Mister FPGA, donc qui est basé sur une carte FPGA. Avec. Toute la petite extension, super sympa, rapide. Et qui supporte la Play City aussi, donc ça fait plaisir de renom. Ouais. Et on peut y connecter n'importe quelle manette USB. Moi, j'ai fait un effort. Hein. Go! Eh bien, ça n'a pas l'air de jouer au joystick, c'est déjà ça. Non plus. AQOP. Ah, oulala, ah, oulala. Non. Ok.
Je vais voir s'ils ont. Il n'y a pas plus de doc sur le site de Bruno, parce que là. Bon, la map, c'est celle qu'on avait sur la cassette. Le package, c'est celle qu'on avait. Le manuel. Non, ma cassette. Ouais. Bon. Je vais souffrir. Bon, j'appuie sur le S, il se passe quelque chose. J'appuie sur le N. Ouh, ça marche. Ça ne marche plus. Je peux pousser. C'est amusant cet effet de trois dimensions. Mais comment on ramasse? Non. Là, c'est d'où je viens, je pense. Il faut que je trouve comment ramasser quand même. Pick-up alternate key on the third row. Ah ouais. J'ai jamais vu ça. En fait, c'est par ligne. Donc toutes les lignes font la même chose. Donc j'appuie sur le C, le M ou le Z. J'avance le A, donc la deuxième ligne, j'ai fait avec un 90 degrés. La première, je ramasse. Ok, voilà. C'est joli en plus. Recède. Oncle, tonton. Ça, tous les effets. Bon. On peut pousser. On peut jouer avec l'axe. Donc la hache. On avance. Que je peux ramasser ça. Non, y arrive. Hein? Quoi? Il m'a eu. Ok. Oui, en plus, c'est assez fin, c'est en mode 1 apparemment. Je suis au cimetière là. Est-ce que je reprends ma hache? Ou alors il faut que là je la reprenne ou je l'ai fait tomber. Donc là, c'était dans l'autre sens, il me semble.
Ouais, c'est vrai que. En plus, pour se retrouver où on est, c'est pas évident. Et je sais pas la langue qui est marquée en dessous, c'est. Yontia. On va sur la carte, peut-être que. Yankiashi. Disons que leur map est plus belle que celle de la cassette. Alors ça, c'est bien. Yankiashi, le village et l'Olias. Les commandes sont vraiment bizarres à jouer comme ça. Ici, j'ai réussi à tourner en plus. Donc, je peux retourner. Ah, mais non. Ah, d'accord. Il y a quand même la moitié qui. En plus, c'est bizarre. Le X me fait la gauche et le M à droite. Totalement contre-productif. Bon, on va retrouver ma hache. J'aime le temps de boire en attendant. Pas beaucoup de monde à 2 heures, hein. Voilà ma hache. Et zut. Non, il va pas me faire commencer de l'autre côté. Non, pas trop quand même. Bien que j'ai fait un peu de Fortnite il y a 1 ou 2 ans. Ça m'a bien amusé. Bon. Où il est mon axe? Ah mais non, hein. Je ne peux pas passer. En plus. J'étais pas revenu sur l'écran. Ça m'arrive à chaque fois. Ça. Non, on va rentrer dans ça. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Dans l'autre sens. Je suis sorti par la petite porte. Donc c'est maintenant c'est à gauche. Ouais. Mais le problème c'est que. Oh, que ça rame encore plus comme ça, j'ai là. Je n'ai plus d'armes. Est-ce que je peux tourner comme ça? Là. Et si j'ai bien calculé, je devrais retomber sur le chemin principal ici. Ouais. Et ma hache devrait être ici. Yes.
voilà. On va faire ce petit chemin là. Ah, voilà. Mais bon. Bon, dernière fois. Plus de ça, j'ai encore de là. Hein. Bon, je suis dans le mauvais sens. C'est amusant tous ces jeux qu'il y avait quand même sur Amstrad que on n'a pas entendu parler. Peut-être pour des bonnes raisons. Ouais. Voilà. J'ai passé le singe, mon hache, ma hache, et ici, je peux la ramasser. Bon. Ouais, c'est monotone, mais il y a de l'idée quand même. Je pense qu'à l'époque, ça m'aurait cul de sac, bon. Jusqu'au fond. Ça m'aurait peut-être amusé. Hein. Ramasser là ou pas? Voilà, j'en ai des épées. Ouais, allez. Venez, venez, les ennemis. Mais est-ce qu'il y a des ennemis? Oh, non. C'est W pour toi. Ah, reprendre. Lui, je vois une... Là, je vois où on est. Nous sommes ici. Donc, on venait de... centrale pleine qui se trouve là. Donc a priori on devrait peut-être être ici. Donc si je prends la première à droite, ouais, non, je vais... Oh là là. Je viens de là, donc à droite, oui, donc à droite. Ouais, donc là, celle-ci, une deuxième juste après. Ouais, et prochaine à droite. Tout de suite.
Yes. Donc là, non, c'est ça que je voulais faire en fait. Voilà, je peux continuer pour aller jusqu'au Dorment. Dorment's Legion. Je ne sais pas si c'est de l'anglais. Du gaélique, un truc comme ça. Dorment, on va voir s'il arrive là. Il n'est pas là, mais c'est que j'ai rien compris au jeu. Donc j'ai bien compris. Je peux rentrer dedans. Donc, je ne peux pas rentrer dedans. Bon. Non, c'est clairement le jeu que j'aurais aimé. Donc, c'est le genre de jeu qu'on pouvait écrire entre une feuille et une tracée, tout, mettre tous les cachets et tout. C'est pas mal. Belle surprise. Bon, Yvan. Portons la caisse magique. Beachhead. Beachhead. Encore un jeu inconnu. Je ne sais pas si tu étais là, mais j'ai montré dans Tretroana mon site pour gérer ma collection. Donc dedans, j'ai toute ma collection. Donc pour l'instant, 313 jeux, sans compter les trois caisses de brôle que je sors ici. Donc. C'est gratuit. Ça permet d'encoder tout ce qui existe. Donc la base en programme serait principalement celle de QQK. Et je voilà. Pam pam, celui-là, je l'ai rajouté, oui. Donc je disais donc ça permet d'avoir toute sa collection, de l'exporter en PDF. Donc ici, moi j'aime bien les codes master. Je vois tous les codes master que j'ai. Je vois ceux que j'ai tout ça dans fan, ceux que j'ai en double. Ils sont en double. Etc. Et la date à laquelle je l'ai encodé. Donc maintenant, si je recherche Beachhead 2, Beachhead 2 en version Americana. Americana pour Amstrad en cassette. Et c'est le 2. Donc c'est celui-ci. Beachhead 2, Beachhead 2. Non, non. Donc à tous les coups, c'est celui-ci. Ça ressemble bien à ma version. Donc, je rajoute à ma collection. Par contre, je ne vois pas de lien avec le site Bruno. On va aller chercher manuellement alors. Hein. Vite. Donc, Beachhead 2, là. Quand il n'existe pas, moi je le rajoute comme ça, je sais. Non, c'est pas celui-ci, collection, petit 2. Je vais sur toutes les releases et je rajoute le lien vers le site de Bruno. Link. Comme ça, la prochaine fois, la personne pourra retomber sur le site directement. Donc.
qu'est-ce que les gens en pensent? Ok. Ça m'a l'air d'être une grosse bouse. Bon, ils sont taqués. MHT. Ouais, super note. Le Mister a deux cartes, en fait. Il y a une carte FPGA et une carte ARM avec un petit Linux dessus, donc qui fait juste l'interfaçage. Et son avantage, c'est qu'il permet de y accéder directement. Donc si je fais deux pour le nommer, je peux voilà. Non, non, non. J'ai fait un RM. Donc je le reprends. Donc RMG. Voilà. Donc je peux copier directement sur mon Mister bit2. Comme ça. Quand je retourne dessus, mount bit2. Est-ce que c'est rapide? Voilà, c'est pas trop mauvais. Joystick, non. Alors, contrôle, non, le joystick il supporte. Okay. Par contre, il est pas. Okay. Est-ce que je fais les alliés ou les dictateurs? Je fais pas ton allié, moi. Ah, mais j'avais déjà vu ça. Michel en a parlé sur le Commodore 64 il n'y a pas longtemps. Michel Louvet de Old School is Beautiful. Hélicoptère, la tour, pas grand chose à redire. Ah. Allez, non, 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 Okay.
Voilà. Bonjour Baptiste, j'ai vu que tu étais là. Même si tu dis rien. Alors, bah attends. Je pense qu'on va arrêter ce jeu. Je ne pas. Donc, c'est un truc quatrième alors, j'avais dit 3, mais bon. Je voudrais un vrai jeu d'action, un jeu de plateforme. Vas découvrir des jeux, Baptiste. Holly et Lisa, un jeu Firebird. D'après ce que je vois derrière, ça ressemblerait bien à de plateforme. Ça me plaît. Sur CPC, c'est le 1 ou le 3? Non, c'est le 1 de chez Firebird. Exactement ça. Tout collection. Et on a le lien CPC Power. Tac, tac, un lien mis ça. Bon, encore un SPC Power. Non. Jeu de plateforme, yes. Pas de commentaire. Une disquette. WGM.
Allez quoi? Elle est où la touche que... Non. Seb, tu disais que je suis pas fan de LOL, mais tu as là à côté de toi un gros fan. Sans être méchant, hein. Parce que gros, il est important, mais. Alors. Bon, c'est joli ça. Bon, deux joysticks. Un. Je sais pas, 10, 15 minutes, 20 minutes, je sais pas. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je suis mort là? Allô? Quelque chose. Déjà, pourquoi la barre de vie descend comme ça tout le temps? J'ai vu qu'il y a... Là, on peut essayer de revoir ce truc-là. Non. La gestion de collision est pourrie. Ouais, vraiment étrange. Je comprends. Je comprends que c'est PC pour eux, mais pas de commentaire dessus. Donc on peut faire que sauter, elle est à gauche ou à droite. On ne sait pas tirer, donc. Rassurant. Vous devez aider le fantôme du château de Shilmore à devenir invisible. Donc il faut récolter des ingrédients. Bon, on va essayer d'aller. Je sais pas sauter au-dessus. On va attendre qu'il passe en dessous de moi. Je tourne de trois marches et je meurs. Ouais, super jeu. J'ai mon jeu de plateforme, mais c'est peut-être pas celui que je voulais.
Bon, c'est de l'autre côté. Et en plus, la sphère et les sprites est tout pourri, mais bon. C'est pas digne d'un Amstrad. En plus, on meurt tout de suite. Non, c'est pas là à gauche. Mais j'ai fait quoi là? D'accord, donc dès qu'on a ici, donc il y a 7, non, 8 objets à avoir, et chaque objet est dans un screen. C'est pas vrai, quand bon, on va pas abandonner comme ça. Je l'ai sauté. Voilà. Mais quel skill! C'est passé quoi là? Pourquoi? Voilà, je peux au deuxième écran. Je ne comprends pas tout. Il faut vraiment sauter au pixel près. Mais... Eh bien, et en plus, tu réapparais quand le monstre est déjà là. Beaucoup trop tôt, beaucoup, beaucoup trop tôt. J'espère que la musique est bien au moins. J'ai pas le retour de la musique. T'étais même pas né. Quelle année? 88. Voilà, donc t'étais pas né. Non. Vivant. Moi, ça reste encore un des moins mauvais. Eh bien, on aurait testé 5 comme ça. Mission. Ah oui, ça, je pense que c'est bon ça. Mission génocide. Bon, ça je connais quand même. Un des premiers gros screens fluides sur Amstrad. Mais je suis content de l'avoir, tiens. Nickel.
Pam pam, mission génocide donc. La génocide. Fireboard, il y a en Amstrad. On casse, il n'y a qu'une seule version. Facile. C'est la mienne. Add to collection. Ah, 10 et demi sur 20. LCW. J'ai jamais joué, je le connais, je l'ai déjà vu dans notre stream, mais je n'ai jamais joué avec. Un Villeneuve, non. Le Viet non plus. On va commencer premier. Oui, après c'était pas cher non plus, celui-ci c'était une livre 99, donc ça, on n'était même pas à 3 euros le jeu. Et ici en plus c'est pas une bouse. Donc... Non, joystick. Ouais, joystick en plus. Grâce à le scroll de malade. Là, t'en avais pour ton argent quand même. Ouais. Après, je suis très mauvais à ce genre de jeu. Bon, j'ai pas tout le score quand même. GX. Mais je pense on attendait un Amstrad 16 bits avec CD, c'est mais le 1512, allez, là. Date de quand l'Amstrad 1512? On sera de 15-12. Déjà en 86, donc Amstrad est déjà un peu abandonné le monde du 8 bits. Et quand ils sont passés au 16 bits, l'Amstrad était le. 2086, je pense. Non. On est Amstrad. Non, ouais. Bon, c'était clair que ce qu'il fallait encore continuer dans ce genre de machine pour concurrencer Atari Amiga qui était vraiment déjà bien là. Donc. Ouais, c'est toi qui l'as fait l'article. Non, non, il n'y a pas d'angle 7 dedans. Oui. On va commencer sur le génocide. L'île Atwars. Connais pas. Ah, Star Fox. Oui, oui Star Fox. Oui, Super NES, on l'a plus connu nous sur Super NES, mais c'est vrai que... C'est en 3D là, donc c'est pas... C'était même plus différent.
parce que je suis toujours mauvais. Mais bon. Plus impressionnant là, un scrolling comme ça, le nombre de sprites qu'il y a à la fois. Ça. J'ai eu à 199 pounds. Je pense que j'étais plus loin quand même. Ah ouais, quand on détruit. Ah oui, d'accord. On a des bonus. Non, j'aurais vraiment adoré voir ça à l'époque. Ah, tiens, on a eu en plus plus loin que moi parce que... Ah non, mais... Je pense pas qu'on ait eu sur Amstrad un aussi beau que ça à l'époque. Maintenant, effectivement, voilà. Oui, ces derniers temps, quelques trucs ont vraiment excellent. Non, mais pourquoi je me jette dessus? Oui, c'est 87, allez, 12 ans, c'est vraiment, c'est quand j'ai eu en 86, ouais. J'ai tenu quelques années quand même, donc j'aurais pu clairement l'avoir. Après, est-ce qu'il est sorti en Belgique? J'arriverai plus là. Tout à l'heure. C'est parce que je regardais en fait mon écran retour, mais quand je joue directement sur le CRT, c'est mieux. Score. Ouais,
Merci d'être passé, Baptiste. À bientôt, lundi au pire. Qu'est-ce que c'est fluide? Y aller, jamais été si loin. Non, c'est pas ici. Non, non, pas si. Moi, il pourrait donner des... L'année de Nemesis, je vois pas ce que tu veux dire. Ah oui, le jeu Nemesis qui est sorti, oui, d'accord. Et c'est aussi un... Nemesis. Je ne connais pas non plus. Bon, on peut essayer. Tac. XVD. Oui, c'est super propre et en plus c'est super stable. Je sais pas si tu parlais de la console ou alors du Mister. La console, c'est du Mac. Donc du Mac, donc pour ça que j'aime bien Mac. C'est beau. Ah oui. Je l'ai loupé les... Ouais, c'est moins impressionnant parce que il n'y a pas de fond d'écran à part les petites étoiles.
La vie, c'est pas du 50 frames de seconde. Un double de ça. Ok, ça sera rapide. Non! Pourquoi j'ai raté ça? Non, j'ai pas. Oh, j'ai plus vite. Je regarde toujours mon écran OBS au lieu de regarder mon écran OK. Personne. Pourquoi je me réveille à chaque fois? Sur la montagne. Ouais. Donc ça, on va arrêter, hein. 13h30. Dernière, quand même. Ici, j'aime bien. Mais c'est pas bon. Même moi, ça aide beaucoup de jeux, hein, donc... Il y a 10, j'adore les programmer, jouer, ça. À ce point. Je m'applique, c'est un petit peu mieux.
Non, c'est bon. Ah. Mais merci d'être passé, oncle. Ça me fera en soirée aussi. Tu vas me vendre tous les. Je suis à quoi aller. Je sais pas si on les voit ici. Deux caisses là. Plein de cassettes que j'ai pas encore inventoriées. Puis dans tout ce que j'ai inventorié aussi, j'ai pas joué à la moitié. Donc, il s'est m'aura permis de savoir que j'avais mission génocide et en être très content. Et de savoir que j'ai des autres. Je ne voudrais peut-être plus jamais. Bon. Est-ce que. J'ai un raid. Pas un gros raid. Mais... Il va être content d'avoir un raid avec une personne. Un deux, bon, ça va. Allez, merci encore. Ben, à ce soir peut-être si tu stream. Bye bye.